Pierre, aujourd'hui on est chez Mercedes à l'Escale chez Slavi. On vous présente donc la dernière Mercedes Classe A. Donc c'est un pack AMG de 180 diesel. Donc c'est bien la 2020 en full option. On va vous montrer ça tout de suite en vidéo. Donc nous voilà à bord de la Mercedes Classe A. Donc vous pouvez voir dernière technologie embarquée, système de navigation MBUX, donc avec la commande vocale, avec le pad tactile et puis l'écran tactile au milieu. On peut voir donc qu'on est sur un volant finition AMG, tout l'intérieur, les sièges, je ne sais pas si vous pouvez les voir, ils sont vraiment splendides, c'est vraiment le top là au niveau assise, très confortable, on a une bonne tenue dedans. On peut voir que du coup tout est rétroéclairé, le tableau de bord là il y a un petit peu d'ombre, ça tombe bien. On peut voir tout est rétroéclairé, les bus d'air etc sont rétroéclairés. Donc voilà, après vous voyez un peu de rangement, un accoudoir central pareil avec du rangement. Donc voilà, donc là c'est donc la motorisation diesel la plus économique, donc on est sur la 180. C'est un petit 4 litres au 100, donc au niveau malus, je pense que ça doit être très raisonnable sur les modèles 2020. Pour vous en parler un peu, c'est une voiture qui a quand même 5 étoiles au crash test, donc 5 étoiles c'est le top, hein. Une voiture qui est très sécuritaire et qui a une tenue de route irréprochable, vraiment rien à dire là-dessus. Pour ceux qui sont intéressés, il y a des versions AMG, donc il y a la version A45 qui fait 406 chevaux, donc c'est une 4 roues motrices. On aura peut-être l'occasion d'essayer cette année et voilà, donc vous aurez quasiment en fait cet intérieur mais avec donc du coup la grosse motorisation pour cette classe A. Je crois même qu'il y a une version A43 un petit peu moins puissante qui fait dans les 300 chevaux pour qui A43 et A45 AMG. Donc voilà un petit peu pour l'intérieur, sachant que c'est quand même un véhicule qui a toutes les aides à la conduite et la line assist etc, régulateur limiteur, le Bluetooth, parking électrique, là c'est une boîte auto. C'est un véhicule qui se touche autour des 32 000 euros plus ou moins suivant les options. Là on a quand même un véhicule très équipé, donc je pense qu'on est peut-être autour des 35, parce qu'il y a quand même les sièges chauffants etc. C'est vraiment splendide, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Pour les novices en Mercedes, en fin de compte Mercedes c'est quand même des voitures typées très confort et haut de gamme, et on le voit tout de suite à la conduite, même il y a une très bonne sensation au volant. Donc voilà, vous pouvez voir les panneaux de porte avec de l'Alcantara, le ciel de toit est noir et pas gris, c'est quand même une voiture qui est très très bien équipée. Donc voilà, pour vous parler un peu du MBUX, la partie de navigation, donc là sur le pavé tactile vous avez donc la radio, tout ce qui va être autour de votre téléphone, la navigation, donc aussi par commande vocale. Vous avez le système média, donc là vous avez tout ce qui va être la musique. Ouais, on va essayer d'y cliquer dessus pour vous montrer. Voilà, c'est fait comme ça. Après, le confort. Donc là, ça va être tout ce qui est lumière d'ambiance. Vous allez pouvoir choisir tout ça. Hop. En même temps, comme je conduis, c'est un peu délicat. Après, les infos sur tout ce qui va être véhicule, la consommation. La partie moteur, là un peu style sport on va dire, les infos sportives. Après donc pour le véhicule, là bon, celui-ci comme c'est pas un hybride ni une grosse motorisation, en fait vous n'avez pas beaucoup de données, mais autrement quand vous avez un hybride il y a énormément de gestion sur cette partie là. Après c'est la partie tout ce qui va être Mercedes, l'application Mercedes, ça il faut sur votre téléphone, les réglages généraux. Voilà en gros le système MBUX. Après la commande vocale vous l'avez là, et si par exemple vous faites hey Mercedes, oui s'il vous plaît, donc là la voiture elle vous parle, vous, par exemple vous voulez la destination, que souhaitez-vous faire,
aller à Bayonne. L'itinéraire vers la destination Bayonne est en train d'être calculé. Donc voilà pour la partie navigation, vous expliquer un petit peu les grandes lignes du véhicule. On va passer maintenant un petit peu aux vues extérieures, au plan. Valise, en sachant que suivant l'option que vous allez prendre, donc celle-ci elle a un subwoofer un caisson de basse placé dans le coffre à la place de la roue de secours, donc vous avez juste le kit de crevaison. Et sympa. Donc voilà, j'espère que la vidéo de la Classe A Mercedes vous aura plu et que vous aurez appris pas mal de choses sur la sécurité à bord et sur ce nouveau modèle. Je vous invite à nous rejoindre sur la chaîne YouTube, Instagram, regarder un petit peu tout ce qui se passe au fur et à mesure de l'année. Plein d'événements pour arriver sur circuit, au Grand Prix du Circuit d'Arnos. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à plus tard, ciao ciao.